Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo parce qu'aujourd'hui, vers 15h même passé, très étonné, ça sonne à ma porte et c'était le facteur qui m'apporte un paquet comme ceci. Voilà, je vais le remettre à l'endroit. Il me vient de Claudine, ma chère amie qui est venue me rendre visite à la maison. Donc elle habite, c'est une scrappeuse qui habite pas loin de chez moi et qui fait des merveilles aussi et avec qui on correspond de plus en plus. Alors, oui, donc j'ai été présente quand le facteur est venu parce que non seulement on a du très mauvais temps en ce moment, comme un peu partout, mais surtout nous, pour l'instant. Et en plus, mon dos ne va pas mieux du tout. J'ai dû aller chez le médecin qui a été sympa et qui a pu me recevoir entre deux clients ce matin. Et voilà, donc j'ai un traitement pour 8 jours avec, je dois éviter la voiture, tout ça. Donc je vais retarder mon départ chez les enfants, mon coiffeur et tout ce que je ne peux pas faire actuellement. Alors j'ai eu ce paquet, mais j'ai eu aussi il y a plusieurs jours, alors j'attendais d'avoir d'autres courriers pour faire une vidéo courrier. Donc j'ai une lettre, donc je l'ai ouverte. Alors elle me vient de la petite puce de Béadi. Elle m'a envoyé une ATC trop mignonne sur le thème de Mini. Voilà, c'est Tia qui m'a envoyé ça, la petite puce de Béadi. Elle avait fait un appel de carte pour l'anniversaire de Tia. Je me souviens de l'ouverture de son courrier. Elle était hyper contente de tous nos messages, des petits plus qu'elle avait eus. Voilà, donc Tia, je te remercie de tout cœur. Et voilà, une de plus à ma collection. Et j'en ai jamais eu sur le thème de Mickey. Donc tu es la première, Tia. Voilà, donc je te remercie beaucoup pour cette jolie ATC, voilà. Ensuite, hier, j'ai reçu un courrier. Alors, pareil, il n'y avait pas, je ne savais pas qui c'était. Donc, j'ai ouvert l'enveloppe pour voir ce que c'était. Alors, je vais vous montrer. Il y a plusieurs choses. Voilà, c'est vraiment trop gentil. Donc, j'ai des pétales comme ça de fleurs. Comme ça, grise, donc j'en ai plein dans l'enveloppe. Et elle me vient de Fanfan 4 Scrap. Alors je vous explique pourquoi. Elle m'a mis un petit mot en me disant, c'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur, Fanfan 4 Scrap. En espérant que mon envoi te plaise. Voilà, parce qu'elle avait, à un moment donné, elle voulait faire des porte-clés. Et moi, dans un lot, j'en avais eu. Je ne sais combien, des petites attaches pour faire les porte-clés. Donc, elle m'avait demandé si je pouvais lui en envoyer. J'ai fait la demande à Dominique qui m'a permis d'envoyer. Elle m'a dit, c'est ton lot, tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai partagé avec Fanfan. Donc, elle m'a envoyé voilà, des pétales de fleurs pour me remercier. Et elle m'a fait une jolie memory dex comme ceci. Voilà, sur un fond rouge, elle a mis des roses en résine bleue, des pétales autour argentés. Donc derrière, elle m'a mis ses goûts avec un petit tampon comme ça qui est très joli. Fanfan 4 Scrap, j'aime beaucoup son tampon. Alors créé par Fanfan 4 Scrap, exemplaire unique. Et elle a mis en haut, juste pour toi. Voilà. Alors donc voilà le papier du haut. Il est super sympa aussi son papier. Voilà, donc c'est très original avec une. Je l'ai moi cette petite photo comme ça. Je l'avais prise sur Pinterest aussi. Je l'avais bien aimée. Voilà. Donc elle m'a fait ça. Voilà, elle avait bien mis petit cadeau pour te remercier des porte-clés. Ben, c'était pas. J'avais fait ça avec plaisir. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de remerciements, mais voilà, ça me fait une memory dex de plus. Et en plus, elle a joint
des demi-perles comme ça décoratives dans un, c'est plutôt un vert très très pâle qui tire un peu sur le jaune. Voilà, mais c'est très sympa parce que moi j'en ai jamais assez des choses comme ça. Demi-perles, j'en utilise beaucoup. Donc c'est super. Et puis j'avais pas trop cette couleur. Donc Fanfan, je te remercie beaucoup pour ton envoi et franchement, t'étais pas obligé. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir le paquet parce que j'ai juste soulevé le papier comme ça, mais je n'ai pas ouvert le carton et je vous reprends. Donc je vous reprends parce que je voulais vous montrer la boîte. Voilà comment c'était présenté sous le papier d'emballage. Donc je vais voir ce que c'est. Donc ici, alors je vais descendre un petit peu comme ça, vous allez voir en même temps que moi. Voilà, je pousse tout ça. Alors, un petit mot sur lequel elle me dit, Marie, j'ai fait quelques essais, peut-être pourras-tu en faire quelque chose. Alors, caisse très fragile. Ah. Oh, j'adore, je me doutais que c'était ça. Quand j'ai senti les bons. Oh, j'adore de chez J'adore. Alors, elle a fait en des moulages comme ça. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, des moulages dentelles. Oh, je suis fan. Hein. C'est dommage parce que je suis. Oh, ben non, on va pas les voir là. Comment je pourrais faire? Alors, attends, est-ce que j'ai un papier de couleur? Tiens, j'ai une publicité de Home Serve là. Est-ce qu'on les voit mieux sur les tasses? Oui, on les voit mieux. Regardez. Oh, c'est magnifique. Alors, elle m'a fait celle-là. Ah, bah, bien sûr que je vais en faire quelque chose. Elle m'a fait celle-ci. Oh, c'est trop, trop beau. Donc, une autre, pareil. Voilà. J'ose pas trop les manipuler. Donc les autres, c'est les mêmes. Par contre, celles-ci, ce n'est pas les mêmes. Oh, j'adore. Surtout que c'est fin, c'est. C'est Audrey de. Alors, c'est la chaîne House of Scrap qui m'en avait envoyé et je les ai utilisées, les siennes, enfin j'ai pas tout utilisé, il doit m'en rester une bande ou deux, et c'était des bandes larges comme ça, oh, et c'est vraiment sympa, ça fait des trucs sublimes, sublimes. Et ensuite, j'ai celle-ci. Alors, je les remets sur les petites tasses rouges, là, comme ça on les voit bien. Oh, c'est trop beau, trop beau, trop beau, j'adore. Ben, c'est un boulot ça, hein. C'est tout fin. Alors, je ne sais pas quel pack tu as utilisé, mais je vais te demander ça par mail. Voilà. C'est sublime de chez Sublime. C'est vrai que c'est très fragile. Alors, je vais les mettre à part parce que je ne voudrais pas, voilà, les écraser. On enlève la pub. Alors, ensuite, j'ai une enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, attendez, parce que c'est, faut que je lise tout pour ouvrir la carte. Voilà. Alors, je vous explique parce qu'elle m'a fait un petit mot pour que je. Pour que, alors, ça s'appelle une carte essuie-glace et elle m'explique comment l'ouvrir. Mais c'est super. Regardez, on tire sur les deux côtés et voilà. Ça sort et c'est marqué Noël. Ah, oh, c'est génial. Ah, oh, c'est vraiment génial. Alors, je relis, il y a encore un autre mot derrière. Oh. Oh, c'est trop gentil. Claudine.
Claudine, elle a un cœur d'or. France, c'est. Ouh là là. Déjà que j'ai pas trop le moral, tu vas pas me faire pleurer, hein. Donc je vous remonte sa carte. C'est magnifique. Alors elle dit qu'il y a plein de tutos pour la faire, parce qu'elle m'a envoyé un grand mot comme ça. Et elle me dit qu'elle m'a fait un gros cadeau, enfin, cadeau, parce qu'elle avait vraiment envie de me faire plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Mais c'est Noël avant l'heure, là. Alors. Bon. Alors, déjà, j'ai des découpes, donc on va regarder après. Alors, c'est une boîte de chez Cultura. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un beau papier avec des cœurs, déjà. Bon, alors, est-ce que j'ai le. Déjà, les découpes, ça j'adore. Parce que elle m'a. Je vais la regarder après. Hein. Je suis trop curieuse de voir mon cadeau. Hein. Désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste quand je tire, ça me tire sur le dos. Vous allez dire que je me plains comme une vieille. Ben oui, de toute façon, je suis vieille. Hein. Mais je suis vieille avant l'âge avec ce doigt. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais avant de jouer la curieuse de la boîte, donc la boîte elle est ouverte normalement. Mais il y a une petite carte dessus. Je vous fais du bruit hein, pour vos oreilles. Regardez, il est même pas tard, il fait déjà nuit. Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans? Est-ce qu'il faut que je l'ouvre après ou avant ça? Oh, elle m'a mis des tamponnages et tout ça. Oh, j'adore parce qu'elle. Oh là là, elle a plein de trucs super, Claudine. Nous écrivons. Oh, j'adore. Oh, ça, c'est le genre de truc. Nous écrivons des choses éternelles. Le petit prince. Oh, elles sont magnifiques. Oh là là, t'as tous les trucs des petits princes. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Donc c'est les mêmes en plusieurs coloris. Oh ça j'adore. Oh, tiens, mon petit-fils qui adore, le petit prince, il va avoir le droit à une carte avec ça. Et là, quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Oh c'est super ce tampon. Oh j'adore ce tampon. Oh c'est beau le tamponnage du petit prince comme ça. Ça, je l'ai utilisé, c'est doux, c'est. Oh! Puis elle a mis dans mes couleurs aussi. Alors, on ouvre, allez, on y va. Ah, il y a un côté que j'ai pas ouvert. Mais qu'est-ce qu'elle m'a acheté? Qu'est-ce qu'elle a fait des folies, là? Oh non, non, mais qu'est-ce qu'elle m'a acheté? Elle a fait des trucs. Je vais gronder. Oh non, non, non. Voilà ce qu'elle m'a acheté. Oh non, Claudine! Bien sûr que je suis contente, mais c'est trop! Oh, ça, je vais pouvoir faire des boîtes. Oh, Claudine, t'es un amour. Non, mais franchement, mais je peux pas, moi, vous récompenser toutes de la même façon que vous faites. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Bah, dis donc, cette année, entre mes calendriers de l'Avent, que c'est mes premiers calendriers, quand je vois Sonia et Gégé, toute l'attention qu'elles ont apportée à leur calendrier, les petits présents bien emballés, les petits mots gentils de l'une et de l'autre. Franchement, et maintenant, Claudine, avec. Toutes ces jolies choses, je sais que ça paraît pas, mais pour moi c'est énorme. Déjà rien qu'une carte, prendre le temps de faire une carte comme ça, que je sais que ça demande un temps fou.
On fait une carte, rien que le fait de faire la carte, de se déplacer, d'aller à la poste. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Là, je sais même pas quoi dire. Même pas quoi dire. Ben, je suis sans voix. En plus, ça m'a pris la We Are Memory Keepers, quoi. Eh ben, ma Claudine, je te remercie de tout cœur. Je sais pas quoi dire, je m'attendais tellement pas à ce cadeau. Plus, bon, c'est pas donné, quoi. C'est trop, trop, trop gentil. Donc, Claudine, je sais pas quoi te dire. Écoutez, de toute façon, comme je disais à Karine tout à l'heure dans un mail, parce que j'ai répondu à plusieurs mails, là, bon, comme je ne suis pas très en forme là et que je devais partir et que j'ai retardé mon départ, je n'ai pas le droit de faire de voiture. Il faut attendre que mon doigt soit bien remis et que ma fille, elle habite loin de chez nous. Hein. C'est plus de 1 400 km, donc évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Donc, puis que je n'ai pas la forme pour faire plein de choses. Je fais des petits trucs, mais je les fais tellement lentement que je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire pour tout le monde les cartes. Donc, beaucoup les auront en janvier. J'ai privilégié les anniversaires de décembre pour celles que j'avais, dont j'avais les dates. Donc, il y a des courriers que mon mari a postés mardi. Et demain, il va en poster d'autres. Voilà. Donc, certaines devront attendre le jour J. Quand elles vont recevoir quelque chose de moi, il va falloir qu'elles attendent le jour J pour les ouvrir. Mais voilà. Donc j'ai privilégié ça plutôt que j'ai avancé un petit peu dans les cartes de vœux, mais je les fais lentement. Alors certaines, je les enverrai que début janvier, voilà, quand j'aurai un peu plus la forme. Tout le monde n'aura pas son enveloppe en même temps. Écoute Claudine, je sais pas quoi te dire, c'est trop gentil. Je suis comme Claudine de la chaîne Ange Coco. À chaque fois, moi je suis. Voilà. Et ben, je m'attendais pas à un cadeau pareil. C'est trop gentil. Claudine, je te fais des milliers de gros bisous. Voilà, je te remercie pour tes découpes parce que bon. Voilà, il y a des petits écureuils, des petites plein de découpes que moi, je n'ai pas. Et puis, Claudine sait que mes saisons préférées, c'est l'automne et le printemps. Donc, elle m'a fait plein de découpes. Alors, j'ai plein de découpes pour l'automne prochain, avec des mots, automne, tout ça. Donc, c'est super. Je pourrais bien refaire plein de petits albums pour l'automne, pour envoyer aux copinettes. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi Fanfan, voilà, de ses petits, de sa jolie carte, de sa jolie Memory Dex et des petits plus qu'elle m'a mis. Voilà. Et puis je remercie Tia, la trop mignonne puce de Béadi pour son ATC. Voilà. Gros bisous à tous. Vous êtes. M'a apporté plein de bonheur, hein, toutes les filles. Hein. C'est vraiment que de la joie de vous avoir rencontré. Voilà. Et quand on n'a pas le moral, ben hop, voilà, il y a des copines qui sont toujours là pour vous envoyer des petits mots. Et voilà, c'est. Merci, merci de tout cœur. Merci de tout cœur à toutes les trois. Et évidemment, un merci particulier à Claudine pour ce magnifique cadeau. Je vous embrasse très, très fort. Bisous!